Coucou tout le monde. Bon, haul Amazon. Si, si. Alors, c'était pas marqué, mais c'est bien là. C'est bien là, c'est bien là. Alors, hop, je fais retouche. Je vais vous baisser sur mes mains. Elle est méchante. Ah oui, je baisais là. Hop. Attendez, il n'y a rien. Bon, je garde les enveloppes, moi. Je me fais des fichiers. Hein, pratique. Hein. Alors, j'enlève ça. De l'autre côté, bon, il n'y a rien. Mais ça peut se plier. Voyez. Hop. Voilà. On peut en mettre dedans. Donc, je me fais des petits fichiers. Je vais le mettre là. Donc, là, ils sont à l'envers. Ah, il y a pile poil le joyeux Noël. Juste devant. Le joyeux Noël. Alors là, vous le voyez à l'endroit, mais moi, je le vois à l'envers. Donc, vous avez l'avantage de les voir à l'endroit. Donc voilà, c'est celui que je vais utiliser en premier. Après, je vais tout prendre parce que là, je vais tout sortir. Il y en a qui sont déballés. Félicitations. Comme ça, ça me permet de les voir à l'endroit. Je triche. je triche. Celui-là, c'est bonne fête. Ça peut être pour les saints. Hein. Voilà. Ou pour les... Alors, c'est pas décollé. Je vais le faire. Je vais les protéger. Voilà. C'est assez merci. Avec un petit cœur. Voilà, je les protège les uns des autres. C'est joyeux anniversaire. Avec les ballons, le chapeau et tout et tout. Et celui-là. Celui-là, j'arrive pas à voir. Et décidément, je suis bigleuse. Ah, ça doit être le merci. Merci, normalement. Non, c'est bonjour. Ah bah dis donc, j'ai du mal. Hein. Ouais, parce que celui de là, là. Moi, j'essayais de le lire de l'autre côté. Hein? Donc, le bonjour, je vais l'isoler aussi. Hop. Et puis, celui-là, je vais l'isoler aussi. Je peux pas l'isoler. Bon, il restera comme ça. Donc, je vais me servir d'un joyeux Noël, mais... être grandement joyeux Noël. Donc, ce que je peux faire, c'est le mettre caché. Hop. Comme ça. Voyez. Qui dépasse un peu. Il va pas dépasser. Non, il va pas dépasser. Voilà. Alors, on peut les séparer si on veut, hein. Mais je préfère les laisser attacher pour la facilité de la chose. Bon, bien sûr, on va choisir des teintes rouge, vert. Je mettrais bien du vert ou du rouge qui va ressortir. Ouais, il faut que... Ouais, en rouge. En
rouge, il ressort bien le joyeux Noël. J'ai poussé ça. Il va falloir que je cherche un papier rouge. Alors, chez Action, c'est pas évident le rouge. Ben non. Alors, je suis bien contente d'avoir des sentiments français, même s'ils sont grands. Et ben, j'en ai pour le prix. Hein. Livraison express. Bah oui, puisque je les ai commandés. C'est quand? C'est jeudi. Ouais, jeudi. Et on est samedi. On peut pas faire plus vite. Ouais. Alors, j'ai regardé les tampons lutins. Bon, c'est vraiment pas Stamping Up hein, en fin de compte, hein, mais ils sont super mignons. Et ils sont déjà envoyés. Ouais. Donc, comme quoi, Amazon va très vite. Surtout quand on est en prime. Voilà. Alors, sinon, la santé. Il n'y a que l'infection généralisée qui me gêne maintenant. Et j'ai dû prendre un Accutane midi en plus. Bah oui, parce que j'étais vraiment. Je dérouillais vraiment. Donc là, je vais faire le joyeux Noël pour avoir tout préparé. Je vais en faire deux même parce qu'il m'en faut un pour bah, je vous le ferai une fois découpé parce que faut que je trouve ou alors brillant brillant en argent ou en or. Qu'est-ce qui irait mieux? Qu'est-ce qui irait mieux? Là, il y a de l'or. Sur la carte, il y a de l'or. Une étoile en or. Écoutez, on va le faire en or. Donc, je vais chercher, hop, une page or. Non, reste là, toi. Voilà. Voilà, une belle page. Ça, on n'a pas de mal à en trouver chez Action. Et je vais me faire un bain de soleil. M'amuse. Ah bah maintenant, il faut que je coupe à la moitié. 14, virgule. Je vous entends pas là. Je l'ai pourtant répété plusieurs fois. La moitié de. Oui, précisément. Alors pour ceci, pour cela, pour être plus précise, je prends la planche à découper Action. Alors, 14, 5. Hop, j'y suis. Je coupe. J'ai les deux dans les mains. Bon, ça n'a pas bien coupé, mais on s'en fiche, c'est l'intérieur qui compte.
Bon, c'est celle-là la plus jolie. Cette partie-là. Alors, les découpes, je vais les faire hors caméra. Je vais peut-être mettre en pause, je sais pas, parce que j'ai les jambes qui ne suivent pas. En plus, j'ai fait un aller-retour en bas. Là, j'ai deux étages d'escalier à monter, à descendre et à monter. Donc là, maintenant, les jambes, elles suivent plus. Si. Je peux en faire deux. Oh, largement. Je vais économiser l'espace. Puis de là, je pourrais peut-être, oui, ça tient en haut, on va se débrouiller. Donc voilà. Ouais, j'aime pas faire les découpes en vidéo parce que bon, je galère. Oui, je galère. Ça pour ça. Pour galérer, je galère pour faire les découpes. J'aurais pu choisir de le faire à la Cricut pour que ce soit plus facile, mais j'aime bien le côté manuel aussi. Et la Cricut, je m'en sers en fait que quand je ne vais pas bien. Et là, j'ai décidé de le faire à la main. Parce que c'est les fêtes et parce que bah, c'est toujours plus satisfaisant de faire ça à la main plutôt qu'à l'électrique. Voilà, tout simplement. Parce que je suis restée sur les choses faites à la main. Donc c'est sûr, on a des matrices de découpe. J'aurais pu dessiner et découper. Je sais le faire. Mais voilà, mon corps me dit bah stop. Stop. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause cigarette. Et puis, je vais faire une pause après pour les découpes. Comme ça va accumuler les deux. Alors, pour ceci, pour cela, j'aurais besoin de mes lunettes parce que c'est du brillant et que les yeux, ben, ça travaille. Mais j'ai dans l'intention d'aller faire un tour à Optical Center pour réviser ma vue et mes lunettes. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que je les ai. Et je voulais voir si on pouvait pas faire quelque chose. Et j'avais un renseignement à leur demander. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'aide auditive. J'entends trop. J'entends super loin. S'il y a quelqu'un qui parle derrière moi, je l'entends. Mais même s'il est loin, ou elle. J'entends tout. Là, la fenêtre fermée, je suis capable d'entendre d'autres qui parlent. Ouais. Donc, c'est ça mon souci à moi, hein. C'est que j'entends trop. C'est pour ça que je mets des oreillettes. Déjà pour entendre mon téléphone que je n'entends pas quand il est dans mon sac. Mais j'entends les personnes. Et ça, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre trop, d'entendre des discussions qui ne me concernent pas.
d'entendre des discussions que je ne veux pas entendre. J'en ai rien à faire qu'ils disent, oh, bah oui, mais je vais en cure, machin truc. Mais merde, foutez-moi la paix. C'est la paix que je demande. J'ai pas envie d'entendre. Voilà quoi, c'est ça mon souci. Moi, j'entends de trop. Donc, même si on discute, que je suis dans le salon et qu'on discute dans la cuisine, mais j'entends. C'est affreux. Bon, hop, elle est faite. C'est vraiment. Si on veut me faire une surprise, c'est pas la peine. J'entends ce que vous dites. Même avec les oreillettes, j'entends bien. C'est fou. On me dit, ouais, c'est malpoli. Mais j'en ai rien à faire, moi. J'en ai marre d'entendre tout. Comprenez la chose. J'en ai ras-le-bol d'entendre tout. Si je mets les oreillettes, c'est déjà pour protéger mes oreilles du vent. Et en plus, moins entendre. Parce que c'est fou ce que j'entends. Ma grand-mère avait la capacité de voir la nuit. Et moi, je lui disais, bah tiens, il y a un hibou qui est en train de chanter. Elle me dit, ah bon, tu l'entends, toi? Je dis, bah oui. Alors elle voyait, donc je m'accrochais à son bras parce que je voyais rien. Et moi, j'entendais tout. Donc à nous deux, on faisait la paire, quoi. C'est souvent qu'on se baladait toutes les deux. Ça, pour marcher, je marchais avec elle. Ah ouais. Je crois que j'étais la seule à marcher autant avec elle. Ah, ça me faisait pas peur. Marcher, même maintenant. Mais 2 km, il faut que je marche 2 km, je marche 2 km. Oh, c'est sûr que maintenant je ferai des pauses. Bon, je sais où il y a un banc pour m'arrêter. Mais les 2 km, ça me fait pas peur, hein. Même en tricycle, hein. Ouais. Bah, il me manque. J'attends le 16 décembre pour lui mettre des fleurs. C'était son anniversaire. Alors non, je ne veux pas lui mettre des fleurs pour sa date de décès. Non. Je mettrai des fleurs pour sa date d'anniversaire. C'est pas que je refuse son décès. C'est que je tiens à lui fêter son anniversaire même si elle n'est plus là. Voilà. C'est quelque chose de sentimental. Voilà, c'est l'importance qu'elle avait pour moi, quoi. Et l'importance qu'elle a
qu'elle m'a apporté. Parce que j'étais la seule à être aussi proche d'elle. Ça a été une fin à laquelle je n'ai pas pu assister, malheureusement. Mais le jour de son décès, j'étais en crise. J'étais pas bien. Et puis, le pire, c'est qu'on m'a engueulée. Je pleurais, j'étais pas bien. Et on m'a engueulée. Parce que je téléphonais à ma mère. Parce que j'avais besoin d'être présente, mais ça, ils s'en sont pas rendus compte. Parce que je sentais fort et voilà, moi aussi j'étais mal. Parce que je la savais en train de mourir, parce que j'étais. Voilà. Oui, moment pénible. Bon, je vais mettre pause, je vais faire les découpes. J'ai un message, mais bon, on verra ça après. Je mets pause, je fais les découpes. Bon, voilà. Alors, je vous mets sur mes mains. Pas de cette main-là parce que j'y arrive pas. Voilà. J'ai fait les deux. C'est nickel. Attendez. Oui, je sais, mes plaques sont un peu usées, mais bon. On y arrivera quand même. C'est joli, hein. Oups. Alors j'ai bien fait de mettre mes lunettes parce que ça brille, hein. Wow, ça flash. Bon alors maintenant, on va s'occuper des bouts qu'il faut enlever. Voilà, éteint. J'espère que ça s'est bien découpé. Parce que là, c'est tout petit, hein. Heureusement que j'ai mis mes lunettes. Bon, je vous le dis. J'ai peur de faire un. Faux mouvement, que ça esquinte les trucs. Alors là, c'est tout petit, tout petit, tout petit, hein. Faut que je me recule pour
pour voir. Ça, c'est aussi pour ça que je voudrais faire un bilan visuel. Parce que c'est délicat. Pas venir. Voilà. Hop, aidant. Ah bah non, j'ai oublié un truc, deux trucs. Là. Là. Ouais, j'ai rien oublié. On va passer au suivant. Alors, je suis désolée si j'ai une voix aiguë. Malheureusement, je la contrôle pas, cette voix. Deux. Alors, je vais les faire en premier. Ça, je les oublie pas. Et alors, le plus dur. Quand on n'arrive pas, on passe au suivant pour pas s'énerver. J'ai appris ça en dessin. Si vous n'arrivez pas à une chose, oh punaise. Oh, c'est de la carne. Maintenant, si j'arrive à l'attraper. Ah. N'arrive pas à une chose, faut passer au suivant. Mais il a été mal découpé, je vais le repasser vite fait. Me faut la planche. Voilà. Temps, j'ai tout qui tombe. J'ai mes vernis qui tombent dans la poubelle, c'est pas génial. C'est parce que je fais des mouvements et j'ai trop de choses. De côté, le sac d'action m'embête. Bon, alors maintenant, Noyeux Joël, qu'elle a dit la dinde. En parlant de dinde, c'était moi l'année dernière. Là, on se recule, on fait le tour. On passe de l'autre côté pour les enlever.
Des oiseaux qui chantent. Donc là, c'est bon. Le deuxième joyeux Noël, il est fait. Hop, chose finie. Alors, papier à la poubelle. Et tac, là. Et on range le pic toujours dans une gomme. Donc voilà. Donc, je vais vous donner un aperçu. Est-ce que je les mets... Là, ça va cacher la photo. Ah bah, il y a le E qui n'est pas découpé, qui n'est pas enlevé. Voilà. On va le faire comme ceci, comme cela. Alors, hop, attendez que je vous le montre. Voilà. Bon, là, vous le voyez à l'envers, là, du coup, hein. Mais ça va faire ça. Voilà. Pour pas gâcher le beau panorama. Voilà. Je collerai plus tard parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait une demi-heure. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras. C'est fini. En plus, la vue, bah, c'est pas ça. Donc, bah, je vais faire le montage et je vous dis à plus. Plus.